dernier, réparer une moto qui était en panne. Elle était là, ma valeur. Et au fur et à mesure que je me disais ça, je me rendais compte que ma valeur n'était pas dans le fait que je dirige des gens, que je sois dirigé par des gens, et que je fasse bien d'argent à la société, que je leur fasse très gagner. C'était pas ça. C'était, je sais réparer pendant une vie une moto. J'ai pris le temps de voyager, j'ai fait des études un peu plus tard, à 25 ans, enfin 23 ans, de jardin. Et puis, donc j'ai toujours fait de la mécanique, et je ne savais pas trop. Et puis en fait, je me suis posé dans les jardins en me disant que la mécanique c'était ma passion et que le fait de monter un garage ça pouvait peut-être corrompre un peu la passion. Et au bout de 2 ans de paysagiste, je me suis rendu compte que je préférais faire des motos, quitte à prendre le risque de voir si ça changeait ou. Et finalement, c'est très bien. Augmenter ou diminuer ses revenus, en tout cas décider et aller vers ça, donc savoir, quoi qu'il arrive, ça veut dire un certain nombre de sacrifices. Nous, au-delà de la direction qu'on a prise, en l'occurrence, savoir qu'on allait réduire drastiquement nos salaires, c'était surtout l'idée de ne pas passer à côté d'une passion qu'on a identifiée. C'est aussi la rencontre. La mécanique, je l'avais, j'étais ici depuis des années, j'ai mon petit coin, je bricolais et j'ai jamais monté seul parce que je le sentais pas. C'est quand même un gros bébé à porter derrière si on veut le rentabiliser, le rendre connu. Voilà, moi j'ai pas ces compétences là, donc du coup c'était mécanique uniquement. Et quand j'ai rencontré Fred, qui avait mécanique et communication, on a fait un truc ensemble et là c'était plus crédible pour moi d'arrêter ce que je faisais pour faire ça. Dans ce genre de situation, il n'y a aucun conseil à donner. Aucun. C'est à la personne de faire en fonction de ses moyens, de ses envies, de ce qu'elle ressent. C'est une forme de liberté, c'est les rares qu'on ait encore. Donc à choisir, moi je le ferai. Après, chacun ses contraintes, chacun ses impératifs. Mais je le conseillerais, ouais. La seule guide intégrée qu'on m'a donnée, c'est ces mecs aux États-Unis quand j'étais allé les voir avant, très vite, qui m'avaient dit voilà, est-ce que tu veux, quand tu vas avoir 50 ans, est-ce que tu veux avoir des regrets? Non. Non. Ben voilà. Parfait.